greet you with a face like this, but yeah. Je vais laver mes cheveux là en ce moment. Mes cheveux, ils sont super doux, ils sont soft et tu sens que genre ils sont bien hydratés. Et je me suis rappelé que la seule chose que j'avais utilisée la dernière fois quand j'ai lavé mes cheveux, parce que moi j'aime pas utiliser beaucoup de choses là, j'aime pas ça. J'ai utilisé le moisturizing hair mask de Beautyness. Quand je vous dis que Beautyness, en fait, like, ces produits de cheveux, c'est vraiment de la qualité. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui ne marchent plus trop pour moi, mais en tout cas, ce que j'ai utilisé la dernière fois là, je suis conquise. N'hésitez pas à faire un tour sur sa page, sur son website et tout ça. Elle a de très bons produits, surtout pour le visage et tout ça. Je ne suis pas payée pour dire ça. Je ne suis pas payée pour faire quoi que ce soit. Beautyness, c'est ma grande sœur. Donc, voilà. Ah, je suis trop cute. J'ai trop bien fait mes nattes cette fois-ci. D'habitude, si vous voyez mes nattes, du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je me suis un peu appliquée et puis mes cheveux ont grave poussé. Ma tête est fraîche et propre. Et là, j'ai porté un nouveau pyjama que ma soeur m'a acheté aujourd'hui. It's my feel better gift. It's so cute. Let me show you. This is what it looks like. It says fa la 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 llama. And then there's a little llama on it. It's so cute. Avec les petits shorts. J'ai fini de faire mes cheveux, il est 7h32, j'ai commencé à genre 4h30, donc ça fait 5, 6, 7, ça m'a pris 3 heures de temps environ pour laver mes cheveux, me natter et tout ça. Not too bad, d'habitude ça me prend beaucoup plus de temps que ça, donc je suis bien contente là. Ma chambre est un mess, a big fat mess, je voulais laver mes draps et tout ça, je vais faire ça demain. Là, je m'apprête à aller manger avec ma soeur. On a décidé de boire un peu de champagne ce soir, genre se faire un peu, you know, treat ourselves a little bit. Donc, ouais, regarder un bon film. And that's really it for today. Bon, ça, c'est la première chose que j'ai reçue cette semaine, right? Je pense que j'ai reçu ça cette semaine ou le week-end passé là. C'est une black owned brand que j'ai découvert à travers une amie sur Instagram. Et franchement, j'ai trop kiffé le modèle de leur robe. Ça s'appelle Walk and Wardrobe. Ils sont à Houston et genre c'est trop beau. Bon, j'ai déjà ouvert. Hein. Ça dit hey girl, be picky with your clothes, friends and time. Absolutely. Franchement, le packaging était trop beau. Et la robe... Quand je vous dis que d'abord j'ai eu des petits soucis avec cette compagnie là, vite fait à cause du shipping, on m'avait dit que la robe était arrivée mais pendant une semaine la robe n'était pas là en fait, je pense que le paquet était perdu ou quelque chose comme ça, donc ils ont dû me renvoyer une autre robe. Et quand j'ai reçu la robe finalement, j'étais pas déçue. La qualité, c'est meilleur que vos Pretty Little Thing, vos Fashion Nova, c'est de la bonne qualité. Je dis que quand j'ai porté, quand j'ai essayé la robe, j'étais d'accord. C'est vraiment trop beau, j'aime trop le modèle. Et vous allez peut-être me voir porter ça dans le prochain vlog ou sur Instagram. C'est qui est su, stay tuned. Et suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Enfin, depuis là, si vous ne me suivez pas, je ne sais pas ce que vous attendez en fait. C'est vous qui ratez, hein. C'est vous qui ratez. Donc voilà un peu à quoi la robe ressemble. C'est rouge et c'est très long comme ça. Oh, j'aime trop. Et prochain, ce sont des trucs de Body by Bella avec qui je fais le giveaway de cette semaine. Woohoo! Ça, ce sont moi, mes trucs personnels. C'est trop cute. Elle m'envoie toujours une petite note trop gentille. We love you. Thank you for supporting us always, Bella. Oh, I love you too. I think that's so cute. So this time I got berries and apple luxurious and fluffy body cleanser. Je dis qu'elle m'avait envoyé ce truc là avant. Et quand j'ai essayé, je me suis dit, ça c'est quoi ça là encore? Quand j'ai essayé pour me laver, franchement, je suis tombée red dingue de ce truc. Ça sent trop bon, ça mousse bien, ça nettoie bien le corps. Oh non, franchement, si vous voulez des trucs pour vous sentir bien, genre un peu bougie façon la Body by Bella, vous devez absolument essayer ces produits-là. C'est de bonne qualité, c'est vegan, c'est handmade, c'est black-owned. Elle est ivoirienne d'ailleurs, Bella, donc franchement...
allez-y vous faire plaisir. Et d'ailleurs, j'ai un code SASSY10. Donc, vous avez sur votre commande 10% à chaque fois que vous utilisez mon code. Faites-vous plaisir, quoi. Après, j'ai pris le body butter que j'aime bien utiliser aussi. C'est fait à base de beurre de karité. C'est qu'est-ce que j'utilise sur ma peau de toutes les manières. Quand j'ai plus de beurre de karité, c'est ce que j'utilise. En fait, je jongle entre ça et le beurre de karité. Ensuite, j'ai pris le rose water and lychee extract face cream. En hiver, j'ai souvent la peau très sèche, c'est-à-dire genre like around my mouth here et des fois like juste ce côté de mes joues là. Donc quand j'utilise Body by Bella comme ça là, moisture assured. Alors ça c'est le petit cadeau que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous gagnera. Il y a c'est pas vraiment un loofah, c'est une éponge japonaise, je pense. Ensuite, il y a le Rose Water and Lychee Face Toner que j'adore. Honestly, this is a gem. C'est-à-dire que la personne qui va gagner ça, I don't know who it's going to be, but like I hope and I pray that the person appreciates it because this is actually my favorites that are in this little box. J'ai encore beaucoup de choses qui doivent arriver d'Amazon et des trucs comme ça. Peut-être que j'aurai le temps de vous montrer ça. Sinon, bah c'est pas trop important de toutes les manières. Voilà, je m'en vais faire mes ongles. Ah, attendez. Avant que je ne parte, je dois vous parler de la raison pour laquelle je suis encore plus contente aujourd'hui. I bought a new camera. I got myself a new camera. Ça fait des années, ça doit faire peut-être 2-3 ans comme ça que je rêve d'avoir la Canon G7X, la caméra que tout le monde, toutes les youtubeuses ont sur YouTube et tout ça. Mais la caméra est 700$ les gars. Moi, j'ai quel argent pour payer une caméra à 700$? Non. Donc, j'ai fait mes recherches. D'ailleurs, c'est une autre, c'est une influenceuse que je connais qui s'appelle Sweet Like Owen qui a partagé ça sur son profil. Je me suis dit, oh, bah, c'est pas mal ça, ça serait bien pour vlogger parce que je voulais une caméra que pour vlogger. Je suis trop contente parce que j'ai finalement order ma caméra. Donc je pense que je vais aller faire mes ongles d'abord et ensuite aller récupérer la caméra. Donc le prochain clip, ça sera peut-être une différente qualité avec une nouvelle caméra qui est faite spécialement pour vlogger, les gars. Franchement, je suis trop contente et je suis super fière de moi parce que I worked so hard, like les trois derniers mois là. Oh non, je me suis saignée comme pas possible. Et d'enfin pouvoir genre m'offrir ce truc là que je voulais depuis trop longtemps. Je suis vraiment contente. God, I can't believe this. Je suis trop contente. Donc c'était tout. Je voulais juste vous montrer ma nouvelle caméra. J'ai fait fort aujourd'hui. Hein. Il est 5h28, bientôt 5h30. Le soleil est en train de se coucher. Et c'est maintenant que je m'apprête à sortir de la maison. Demandez-moi si je suis partie à la gym aujourd'hui. Non, je ne suis pas allée à la gym aujourd'hui parce que ce matin, dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai commencé à éditer le vlog de la semaine passée. Anyways, I'm about to go, but I just received packages. J'ai reçu le cadeau de Noël de mon chéri. Et là, je m'apprête d'ailleurs même à aller au mall pour payer son cadeau d'anniversaire. Pour acheter, qu'est-ce que j'ai dit? Payer. Pour acheter son cadeau d'anniversaire. Je me donne 2 heures pour revenir à la maison parce que I have still a lot. Ah, I'm going to Miami. Waouh, je vous ai même pas dit, je m'en vais à Miami vendredi, donc dans 2 jours. What a lie. Dans un jour, j'ai rien rangé, j'ai rien pack, rien. Mais c'est pas un problème, je peux faire ça rapidement ce soir. Donc je dois vite aller revenir. J'aime trop quand c'est l'anniversaire d'un de mes proches. Je suis trop fan des anniversaires. And you know, I just want to make it special for him or whatever. Je vais lui prendre des petits trucs et puis je rentre. I am out of the house pretty early. Aujourd'hui, il est 9h54 et je suis déjà debout, lavée, toute prête à attaquer ma journée. Là, j'ai mon rendez-vous chez l'esthéticienne. Donc, je suis en train d'y aller rapidement parce que après ça, je dois aller faire mes eyebrows. C'est qu'elle suit au moment de lever tous mes poils. Là, je suis venue me faire waxer le bikini. Oh man! D'habitude, je fais juste bikini line. Aujourd'hui, je vais faire le bikini full. Mais ça va. Cette fois-ci, j'ai pas trop peur parce que je l'ai fait il y a un mois, il y a un peu plus d'un mois. Mais ça va. J'ai pas trop peur. Je pense que ça va pas faire trop mal. Before the final, you already kind of know what you're Where going to at, yeah. I had a professor one time now. It was. Like, your final was like 25% of your grade. Wow, that's a lot. Yeah. You did the poll today, so. I did. You're doing good. Thank you.
Because I was like, man, like, I realized that doing the line, like, it doesn't really do anything. I was like, I might as well just go for the full. So. Yeah. You don't want to go on vacation and have that. But, like, I feel like that line. Yeah. And the next step is the Brazilian. But honestly, I don't think I'm ever. You're never going ready? To, like, no. Mm-mm. Shouldn't be too bad. Just a few little hairs. Oof. I promise. I'm not going to lie to you. Yes, girl. I trust you. There we go. So you didn't want too bad. Do you know which one? The Gates Hotel. Have you stayed there before? No, first time. I've actually never stayed in a hotel in Miami. Oh, really? do you normally do Airbnb? Yeah. It's usually Airbnb because it's just everything is just so expensive there. So I've never stayed in a hotel. But this time I'm excited. Yeah. Yeah, it's nice. It looks decent. Honestly, it's not one of these like fancy schmancy. Well, if you're not going to be in that, I mean, but, like, I never understand people will pay an arm and a leg for a hotel on vacation, and I'm like, I don't want to spend my time in a hotel. I just want to spend it to sleep. En fait, je réalise que c'est vraiment le masque là qui peut-être me donne autant de boutons. Bref, à chaque fois que je vais me faire waxer, la gola me cause, purée, elle me pose toutes les questions du monde, elle veut tout savoir par rapport à ma vie. Mais ça me dérange pas, j'aime bien parce que en fait, c'est pour m'aider à me distraire en fait de la douleur. C'est pour aider à, you know, faire passer le temps et tout ça, pour pas que je sois trop crispée et tout à chaque fois. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe quand je me wax. And I like it, she's very nice actually. Elle est très gentille avec moi. Elle est très gentle. I like to get waxed. Genre je trouve que c'est actually relaxing. Maintenant là je viens d'arriver chez les Indiennes et je viens me faire épiler les sourcils. Ça par contre je refuse de faire ça à la wax. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. Je préfère utiliser le fil. Je fais ça et puis en vrai ça devrait être tout. Hein? You're not coming here tomorrow. Really? Yeah. Where are you going? I'm going to Miami. I'm traveling. Tomorrow. Yeah. And right now? No, tomorrow. Tomorrow. Yes. Okay. And then you come back Christmas, after Christmas? Yes, I will come back. It's because like if I don't have anything to do or like, you know, nothing is happening, I don't really feel like getting my eyebrows done. And when you do it, it lasts. Like, I think it looks good for a long time, so. J'ai l'impression que tout est devenu trop cher. Avant, je faisais mes eyebrows à genre 7$. Je suis même pas en train de rigoler. 7$ pour m'épiler, pour me thread les eyebrows. Et puis genre peut-être des fois je vais donner un tip pour arrondir à 10$ ou bien un peu plus, whatever. Aujourd'hui j'ai payé 10$ juste pour le threading. Donc c'est-à-dire que c'est augmenté de 3$. Like, c'est quoi ça en fait? Cette histoire de pandémie là, Joe.